Coucou à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale Noz. Ma petite sœur a été chez Noz et comme elle a pas de chaîne, bah s'est dit bah je vais passer par l'intermédiaire de ma sœurette. Bah comme ça vous avez les vampes en vidéo. Hein, voilà. Donc on va essayer d'être rapide parce que efficace. Bon voilà. Non, on va prendre notre temps quand même. Bah, c'est mercredi les enfants. Ouais. Là donc, ça va. On leur a dit avant la vidéo taisez-vous. Taisez-vous, je veux pas vous entendre. Il y en a une qui est là qui nous écoute. Et il y en a un qui fait le clown avec les tapis. Et il y en a une autre qui est dans la chaise haute et qui dit rien. Pour l'instant, elle nous écoute. Donc, on va continuer comme ça. On y va. On commence. Allez, on y va. Mes achats Noz de ce matin. Moi, j'y ai pas été. Hein, parce non, que moi, c'est pas à côté de la maison. Elle, oui. C'est un peu plus loin quand même. Ouais, moi, ça fait un petit peu trop de route. Un bon quart d'heure. Ouais. Un quart d'heure. Moi, il y a une bonne demi-heure, 40 minutes même. Ah oui. Ça fait beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Je t'en fous. Ouais, moi, c'est pas loin, moi. Ouais, c'est pas loin, je m'en fiche. Alors, on y va. Alors, j'ai acheté du fil de... Vas-y. Macramé. Macramé. Voilà, parce que j'ai vu des techniques de macramé sur YouTube, évidemment. Bon, et puis, j'avais déjà trouvé du fil macramé chez Noz aussi, je crois, une fois. Chez Noz, mais c'était des toutes petites bobines et c'était du rose pétant, donc... Pour faire du macramé un peu naturel, c'est mieux du comme ça. Donc, 3... On verra pas la vidéo. 3,99. Et il y a... En métrage. C'est pas marqué. 500 grammes. Et c'est du marqué blanc. Mais après, t'es pas obligé de t'en servir. Tu peux pour faire du macramé. Non, tu peux pas. Oui, non, bien sûr. Ça fait pour faire une des... une bonne bobine. Quoi. Des cordelettes de... Je peux me permettre hein. Ah ouais, bah, tu peux ouvrir le produit. Mais... Faut le breter. Ouvrir avant, ouais. Ça fait du bruit, non. Il n'y a pas le début, si là. Non. Mais ça, tu peux faire, oui, pas que du macramé, hein. Tu peux faire même déco. Alors, attends. Ou même faire des, ça me donne des idées, du coup, des cadres avec des nœuds marins. Ah oui, ça c'est peut ça, être une bonne c'est idée. Ça, ça fait de la corde marine, ouais. Enfin, la petite cordelette. Comme chez Action, ils faisaient en petite bobine à un moment, mais là, c'est en grand. Il y en a une qui est montée sur mon canapé, je descends, s'il te plaît. Merci. Non, je vous rassure, on tape pas sur les enfants. Non, mais le frère, et s'il embête la sœur, on n'a pas fini. Hein. Vous voyez, c'est pas possible, des enfants. C'est pas possible. On est mercredi. C'est mercredi. Carnage, tout est permis. Ensuite, j'ai trouvé les boules... Les boules pour faire soi-même, là. Ah oui. Oui, moi, j'en avais chez tu pensais pas que Action, non. Je pensais que c'était des globes shaker, moi. Non, c'est des, boules. C'est les boules. À combien, t'as dit le prix? Bah, 50 centimes. C'est pas cher. Il y en a 4. Pas cher, j'achète, hein. Il y en a combien, 5? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si on les laisse comme ça, où j'avais fait aussi un tuto avec, où je ne servais que de la moitié, et je mettais une rosace derrière, oui, voilà, et je faisais en boule shaker. Donc, ça aussi, c'est pas mal. C'était Lucie qui l'avait fait sur sa chaîne. Alors, 5, 50 centimes, ça fait quand même 10 centimes seulement le truc. Par contre, il n'y a pas le diamètre. Hein, mais je suppose que ça fait quoi, 7. Même pas 10 centimes. C'est ce qu'il y en a. Bah, si, il y en a 5. Mais non, il y avait tout ça dedans. Il y en avait 10. Oui, mais ça fait 5. Ah oui, ah oui, 5. Ah oui, d'accord, d'accord. 10 demi. Ah, d'accord. Ouais, bah, comment non. Ça fait. Ça fait 10 demi, donc 50 tiers. Ensuite, pour 50 centimes. Donc, ça, j'en ai pris deux paquets. C'est bien. Parce qu'à 50 centimes, ça vaut et carrément tout. Quand on voit le prix à Picric, Cultura ou machin, c'est pas du tout le même prix. Sans jeu. Ensuite, j'ai pris du tissu de Noël. Alors, ça fait un bleu un peu jean. Avec des cerfs et des sapins. Et je l'ai payé 2,99. C'est un rouleau du tissu, ça. De 29 sur 270. Donc 2,70 mètres. Il y a une qui fait clean derrière. N'importe quoi. Ah, elle fait signe à mon téléphone de l'autre côté. Non, c'est pas grave. Oui, c'est du tissu. Ça fait du jean. C'est du tissu un peu... Bah, c'est la couleur jean, mais ouais, c'est non, pas c'est la couleur jean, quoi. Mais c'est pas du jean. C'est un coton. Voilà. Coton polyester. Un mélange en tout cas. Bah elle est sympa, mais j'en ai pas pris pour toi parce que je me suis dit bah Mélanie, les couleurs de Noël, c'est vert ouais, et rouge. Non, ouais, ouais, c'est ça. T'as eu raison. T'as eu raison. Tu vois, je connais ma sœur quand même. T'as eu raison. Donc voilà. Et ça, j'ai dit le prix, je crois, de 99. Ouais. Voilà, ça c'était là. Ensuite... Bah après, pour une carte hiver, ça peut marcher, tu vois. Avec le petit cerf. Ah, faut savoir, tu m'as dit moi, Noël, c'est rouge et vert. Mais pour l'hiver,
Là, on est d'accord que ça fait hiver, hein. Ça fait pas Noël. Enfin, si, ça fait Noël, mais on peut s'en servir pour des cartes hiver, faire un fond, par exemple, en tissu. Voilà, bah, maman n'a pas pris. J'y retournerai un jour. Déjà, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc, pour le calendrier là-bas. Ensuite, pour 1,50€, le lot de 6 bobines ruban de 9 mètres. Ce sont des petits nounours. Alors, le début, il est là. Une ribambelle de... Hop, une ribambelle... On va pas c'est le mal envers. De quoi le motif, on le voit mieux de ce côté-là. Exactement. Le petit... Je suis désolée, mais j'ai dû éclairer. Il est... Pourtant, il est pas tard. Ah, mais il fait sombre dehors, c'est couvert. Il est 4h15, mais hop. Il fait sombre dans le chinois. Donc, en rose, il y en a 6, quoi. 6 pour 1,50€. Mmh. Ça vaut ça le vaut coup. Le coup, hein. Et là, bah, il y avait les mêmes en bleu. C'est marqué combien il y a de mètres à chaque 9 fois 9 mètres par... Bah, ça doit être 3 mètres par... Attends, c'est marqué en tout petit, mais moi, je verrai pas. Si, 10 où mètres. Ça 10 mètres. 10 yards. Ah bah, il marque 9 sur l'autre truc. Mais je pense que c'est ça. Après, la conversion, bah, ça peut pas être 10 mètres, je sais plus. Faudrait non, regarder. Bah, c'est marqué 9 mètres, là. Bobine, oui, mais ruban, des fois, 9 les mètres. Étiquettes de chez Noz, ouais, ça correspond pas, au profil. Bah bon, pour 6 bobines à 8-10 mètres, on va dire, même si c'est moins, ça vaut largement le coup. Hein. Je vais me fâcher. Je tape avec la perche. Donc, les mêmes en bleu ciel. Donc, ça pour album naissance, carte enfant et tout ça. Excusez-moi, super. Je coupe. Hein. Je te coupe. Oui. Mais ma fille, elle est sage. Je dis ça, je dis rien. Il y a quelle qu'on n'entend pas. Étonnamment, parce que dans les vidéos de... Elle est sur la chaise haute, elle ne dit rien. D'habitude, dans les vidéos de maman, on t'entend. Bah, y a tellement du spectacle là, avec les petits qu'elle ne regarde pas. Bah oui, c'est ça. Donc, voilà pour les rubans. Je mets tout au côté à chaque fois que j'ai fait. Hein. Comme ça. Ensuite. Bah, j'ai trouvé des petits... comment on appelle ça? Des brads. Des brads. Alors là, c'est tous les petits chiens. Alors, il y en a... Vous comme des attaches parisiennes. Margot, Elma, s'il te plaît, retire-toi de derrière. La lumière. Voilà, les petits chiens. Moi, je les ai trouvés sympas. Je les ai pas pris pour Mel parce que... Mel, je les sais que ça ne lui plairait pas. Ça aurait été des chats, oui. J'aime bien les chiens, hein. Mais je sais non, que je vais pas m'en servir dans la création. Ça. Donc, ça donc 50 centimes, il y en a 6. Mm. Voilà, c'est des attaches parisiennes, en fait. Ah oui, voilà. Il marque attache parisienne bulle. Bubble brad. Parfait. Il y en avait d'autres de brad. Oui. Là. Sur le thème, c'est quoi? Naissance? Oh, oui, naissance. Album, etc. Première dent. Mmh. Même si tu ne sais pas lire l'anglais. Non, le mot l'anglais. Pas copain du first hoof. T'as vu l'accent, t'as vu le... On ne voit pas bien avec la lumière. Mais naissance, là, il y a un petit hocher. Là, il y a un petit nounours. Là, un petit mouton. Bah, je ne vois pas pourquoi mouton, mais... Et après, bah, c'est en anglais. Alors, le problème, c'est ça. Attends. Premier pas, first step. Donc, premier pas, première dent et sitting up. Sitting up, je sais pas. 50 centimes les 6, pareil. Et c'est la marque Karen Foster. Il y avait pas mal de choses de cette marque-là. Ensuite, bah, ça, j'ai pris, je sais pas ce qu'on va en faire, hein, mais des petites arabesques. C'est des comme charmes, ça, là. En fait. Des petits... Ouais, c'est des petites décorations. Pour faire un truc, comment on appelle ça? Sans qu'on ma tête dans les grottes, chaque fois je me dis je suis cernée. Pour faire un truc pas vintage, mais. La comment... fille qui en a rien à faire de toi, t'as vu comment je te gâche la vidéo là. Oh non, mais je suis désolée. Hein. C'est ce qui fait mon charme. Elle est insupportable, hein. Bon, voilà. Vous imaginez pas les filles. Alors. Donc, des petits charmes, on va y reprendre. Des petits charmes, il y en a 3 pour 50 centimes, toujours la marque sur Karen Foster. Voilà. Sur une couverture d'album, ouais, ça peut passer. Hein, alors, il y a une petite demi-perle, là, demi-brillant, là. Il y en a une blanche, une noire et une grise. Voilà. Bon, je me suis dit, avec ces petites arabesques, là, ces petites volutes, ça peut faire sympa en déco d'une carte ou d'une page d'album, quoi. Enfin, une couverture d'album. Ça, voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, parce que je regrette énormément de trouver que des trucs en anglais. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et là, je vois ça. Je me dis, waouh. Joyeux Noël, c'est pas marqué Merry Christmas. Parce que c'est une marque française, ça. Bah, je savais pas que. Voilà. Chaque action, c'est sûr, c'est que d'anglais. Ça m'énerve que ça soit même les tampons ou quoi. Donc, bah en fait, s'il y a des tampons qui me plaisent sur la planche et que toutes les écritures sont en anglais, bah j'achète pas. Ça m'énerve parce que je me dis je vais pas m'en servir. Non. Donc là, bah, une petite couronne avec un renard, c'est tout mignon. Un petit nœud. Alors c'est des embellissements bois. Hein. Ils sont pas trop épais, ça va. Ils sont en bois. Le nœud, il est comment on appelle ça? Glossy. Glossy, il glossy là. Dedans. Voilà, il est glossy au-dessus, là. Il est tout brillant.
un flocon de neige, une couronne marquée Joyeux Noël et puis tout un truc de feuillage, une banderole de feuillage. Mais ça, c'est pas en bois, ça, du coup. Ah bah non. Non, c'est de la genre de ça, feutrine. En feutrine un peu rigide, un peu... Bah, je sais pas, je vois pas. Ouais, c'est de la, ouais, c'est de la feutrine rigide. Mais le reste, là, c'est 4 en bois. Donc ça, 1,20€. Les 6. Enfin, les 4, 6. 6 embellissements 3D bois. Hop, ah bah ça, on l'a ouvert, mais bon... J'en ai piqué deux. Ouais, parce que j'en ai filé deux, elle les a vues, et moi j'ai un petit projet à faire avec ça, donc on voit pas bien peut-être. Des petites palettes, elles sont où celles que j'ai sorties? Des petites palettes de peinture. Petites palettes comme ça avec les pinceaux, c'est tout mignon. Donc ça, il y en a 6 dedans pour 59 centimes. Je trouve que les prix sont mal... Autant, bah, toi, tu payes ça 50 centimes, et puis celui-là 59. L'autre, t'en as fait deux, c'est ça? Ah, j'ai fait deux noces. Bah, sur ça, je vais le dire après. Sur ça, c'est pas équitable. Enfin, c'est pas normal. Ensuite, du ruban. Alors, à 50 centimes, ça, j'ai pris pour Mel parce que je me suis dit, pour son album sur la mer, c'est du corde, de la corde sur un fond marron. Et après, ben, je me suis demandé qu'est-ce que ça faisait là, ça. Attends, et puis là, en rose avec un lasso. Et puis en fait, j'ai vu qu'il y avait un dernier ruban là en bas. Et c'est marqué Cowgirl. Et en fait, c'est pas sur le thème de la mer. C'est sur le thème Cowgirl. En fait, ce sont des lassos. La corde, bon, un peu western. Et en fait, là, ça fait comme les bandanas, quoi. Des... Comme les bikers, des fois, qui mettent les bandanas, les Cowgirls, machin. Enfin, voilà. En fait, c'est sur le thème plutôt western, Cowgirl, western fille. Fille, pardon. Donc 50 centimes les 4 rubans. Ça, j'ai pris pour Mel. Hop. Bon, ça, c'est un Mahomam qui a été mangé. On n'a rien vu. On a rien vu. C'est l'envoi de Nicole. Les enfants ont déjà sauté dans le panier. Hein. Ça, j'ai pris pour Mel. Le ruban décoratif de 3 mètres. Alors, je me suis dit, ah, impeccable. Vert et rouge, les couleurs à Mel. Donc, il y a quand même 3 mètres, hein, c'est ça? Bon, c'est mignon avec les petits cerfs collés dessus. Bon, ça, pour bah, les, même les serres, tu peux les décoller. À la limite, et ça c'était en fait, hein. 3€ moins 60%. C'est marqué quoi? Bah, des côtes. Guirlande ou pas? Non, polyester, moi c'est pas marqué. Guirlande. Non, mais c'est ça. Ruban décoratif. Longueur de 3 mètres. Je l'ai déjà dit, tu ne suis pas ma vidéo. Non, mais j'étais en train de regarder ma fille. Donc voilà, ça c'est pour Mel. 3€ moins 60%, je sais plus combien ça fait. Mais j'ai pas payé cher. Le ticket, il est là quelque part, mais. Ça, c'est pour Mel. Ah, je te l'ai pas montré. Non, tu me l'as pas montré. Eh ben, bah, tu le découvres en vidéo. J'ai dit pas autant qu'on fasse une ça, vidéo. Ça, c'est des petits tags, mais c'est des petits tags en tissu. Parfait. Regarde. Avec, bah, beach, hein, la plage, mais un petit hippocampe, un petit coquillage, une étoile de mer. Donc, en tissu, c'est mignon. Et puis, le, c'est un jamaïca. La petite corde en lin. Une coquille sympa. Enfin, pas en lin, je dis des bêtises, en genre de jute, une corde en jute. 79 centimes. Bah, je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit, tiens, mais c'est mignon, un tissu comme ça. 79 centimes. Qu'est-ce qu'ils disent? Pendentif en tissu maritime. 3 designs. En 4 fois 7,5 cm. Cette marque-là, il y a pas mal aussi sur Nose. Il y en a beaucoup à Pickwick de cette marque-là. Ah, bah, c'est ça. Ah, oui, il me semble que j'avais vu. C'est pas donné. Je sais pas, il n'y a pas le prix initial, mais. Bon, on va s'entraîner. Hein. Ensuite, j'ai pris des petits déco bois. Je vais partager aussi avec sa sœur. Il n'y a pas le prix. 2€ moins 50%, donc 1€. Des petites découpes en bois. Donc il y a des. Bon, on va ouvrir. Hein. Allez, soyons fous. Des boules. Des cadeaux. Alors, soit à laisser tel quel, soit customisé. Ouais. Hein. Même avec le pyrograveur. Hein. Ah, puis regarde, il y a un petit trou pour mettre les. Les attaches. Ouais, pour mettre les attaches. Un petit Père Noël qui tient un sapin. Et c'est tout. Un, deux, il y a trois modèles. Et puis, vous avez la petite cordelette avec pour faire les attaches. Si on les colorie, ouais. Ça on peut les colorier, les décorer, voilà. Au pyrograveur, à la peinture. Cheval à bascule. Non, c'était une autre pochette. D'accord. Je l'ai pas... Si, là. Ah, bah, tu vois. J'ai pris l'autre pochette. Ah, il y en a encore là. De toute façon, ça va finir dans mes boîtes de... J'ai dit le prix. Aussi, il va falloir que j'achète des boîtes. Parce que c'est là, les décos de Noël que j'ai tout mis dans le bac. Alors, il y a petit cheval à bascule. Oui. Elle est pas bien celle-là. Oh, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Il est tout mimi. On voit pas dans les emballages hein, quand c'est comme ça. Oh, il est trop mignon le petit bonhomme de neige. Le petit Père Noël qui revient. Et le petit Père Noël qui revient. Donc il y a trois modèles par. Non, attention, mon... mais c'est pas possible ça.
Mais ça va pas, quoi. On aurait dû les mettre à la queue. Non, mais franchement, ouais, à chaque fois. D'habitude, Margot, elle y voilà, va. Voilà. Toujours avec la corde LED pour les accroches. Bah, ça, je mets tout ça, là. Mon Dieu, bah, je vais préciser les emballages, mettre à ta poubelle. Ah, il y avait encore des petits brades. Des petits brades sur le thème anniversaire. Sur le thème anniversaire, des petits ballons, des petits gâteaux, vraiment un petit cupcake et puis des cadeaux. Pareil en 3D, là, en tout brillant. Vive le mercredi! 56... Vive le mercredi! 50 centimes, ouais. Je les vois. Moi, ça fait 3 semaines que je les ai. Hein. Je ne sais pas comment tu fais. Non. Moi, ça va. Très bien. Attends, je parle des bulles. Voilà. Pareil, 50 centimes, les 6. Karen Foster. Ensuite, bah ça c'est pour moi. Ouais, je ne sais pas si les filles elles vont. 59 centimes, c'est pour faire des bijoux. C'est des petits fermoirs aimantés. Mais non, et pour les bracelets. Attendez, je coupe et je vais en fouetter un, j'arrive. Non, voilà, c'est bon, les amis à la cave. Non, ils sont là. Ils sont attachés au fond du jardin. C'est bon. Allez, c'est bon, on a pris la corde. Alors, je disais, petit fermoir pour faire des bracelets. Alors, c'est creux là parce qu'on colle le cordage ou ce qu'on veut dedans. Et puis, il y a le... Hop, ils sont vachement bien aimantés. Hein. Donc, j'en ai acheté 2 à 59 centimes pièce. C'est ça. Pour faire les genres de bracelets comme ça, là, avec les cordages. Mais moi, je vais m'en servir pour autre chose. Pour faire un bracelet quand même, mais autrement. Donc, voilà, ça, c'est bon. Pas le perdre. Ensuite, alors, le paquet l'a ouvert, mais hop. Alors, c'est mosaïque miroir autocollant. Les miroirs qui font 3 cm sur 2 à 79 centimes. Il y en a combien dans ça? C'est pas marqué. 50 pièces. Oh. Et quoi faire? Alors, attendez, je vous montre. Voilà. Oh, ils sont sales. Va falloir nettoyer les miroirs. Tu veux voir? Ah oui, je me vois. C'est pas cassé. Eh, on voit la caméra, regarde. Non, j'ai brisé le miroir. Donc, des petits miroirs comme ça. Pourquoi faire? Parce que je me suis pris à faire des miniatures. S'il te plaît, Elma. Je suis dans ma période miniature. Hein. Moi, je fonctionne par période. Donc, calendrier de l'Avent, ce soir, c'est fini. On n'en parle plus. Je m'en suis sortie quand même. Moi, j'avais fini 2 jours avant. Ouais, elle était contente parce qu'elle avait fini. Elle m'a envoyé un message. J'ai fini. Mais moi, elle était finie. Mais en fait, le dernier, ma technique n'a pas réussi. La technique de ce que je voulais faire. Donc, je suis allée ce matin à Noz. J'ai acheté un truc. Allez, hop, tiens, ça s'est fait. Non, mais je voulais déjà l'acheter, ce truc. Et j'avais dit non, je l'achète pas, tant pis. Et puis, au final, bah, comme j'ai pas réussi ma dernière création, bah, j'ai remplacé par un truc que j'ai acheté. Voilà. Mais il y a quand même 10 créations dans mon calendrier. Il y en a 8. J'en ai rajouté 2. Le 26. Oui, bah, et moi, j'ai un petit bout qui Moi, j'en ai 2. Ouais, je peux te dire que... J'en ai deux qui remuent bien. Non, j'en ai un calme intenable. Intenable. Elle embête toujours son grand frère. Bah, c'est ça, en fait. Si elle n'embêtait pas le grand frère, ça se passerait très bien. Voilà, c'est ça. Si elle le cherchait pas, le malheureux, il a 10 ans, il est enfin tranquille, dans son coin, elle est toujours en train de l'embêter. Toujours. Comment voulez-vous qu'il s'épanouisse, c'est le petit. Non, mais... C'est un Pokémon. Elle va partout. Là, tout à l'heure, je la vois passer. Elle va voir Margot. Elle va voir son frère. Elle va l'embêter. Bon, je finis mon dernier truc. Allez, on y va. Sur ce que moi j'adore et ce que toi tu détestes. Non, il est à l'envers. Attends. Il est comme ça. Voilà. Ouais, les flamants roses, je peux plus. Alors, elle peut pas les flamants roses. Moi, ça fait. Ça fait quoi? Je ne peux plus. On va dire, ça fait 30 ans que moi, je les adore, les flamants roses. Ça a été la mode, là, il y a un an ou deux. Maintenant, c'est passé. Mais moi, ça fait 30 ans que je les adore. Ah, moi, je Donc, peux plus. Voilà. Hey, depuis une visite au zoo, étant toute petite, avec l'école. Oui. Elle avait une peluche qui s'appelait Flafla. Bah, Flafla. J'en peux plus. Flafla, mon flamant rose. Combien de fois je lui ai tordu le cou à Flafla, hein? Non, mais... vous imaginez même pas ce qu'elle m'a fait subir. C'est impossible. Je me suis vengée. Bon, revenons à mon flamant rose en bois. Oui, vas-y, montre-le. Cette belle créature. Bah, il fait quand même 11 de large sur 25 de haut. Flamingo. Tu vas l'accrocher chez toi? À bois, à poser. Il y a les petits en fait il y a les petits supports pour la mettre à poser. Oui, ça va être chez moi. Pourquoi tu te
Non, veux... parce que je vais plus venir chez toi si ça continue. Je le cacherai quand tu viendrais. Quand tu viendras, pardon. Alors, je l'ai payé. Alors, en sachant que j'ai fait deux noces ce matin, je le vois dans le premier noce. Je me dis, oh, c'est trop mignon. Ah, j'adore. Je regarde 1,49€. Je me dis 1,49€, un bout de bois. Enfin, moi, je suis pas pour dépenser. Hein. Je suis plutôt dans la récup. Une grosse ravine. Si non. C'est pas ça. C'est que si je dépense, comme là, les fermoirs de bracelets, oui. Je sais que je vais m'en servir. Voilà. Je vais pas les prendre inutilement. Voilà. Je vais prendre des choses dans mes mains, puis après, je vais me dire, mais ça sert à rien. Je vais pas m'en servir. Ça va rester dans le placard. Donc, next. Je le mets à côté, puis je le prends pas. Et là, je me dis, dans le premier noce, 1,49. Je dis, non. Franchement, pour un bout de bois comme ça, non, je le prends pas. C'est tout. Je vais dans l'autre noce, chercher ce que je voulais, puis j'ai pas... Ah oui, j'ai trouvé quand même ce que je voulais. Et puis, je retombe sur ce fameux flamant rose. Et puis, bah, par hasard, je regarde le prix. 79 centimes. Quelle honte, ce scandale, d'un noce à l'autre. Attention, d'un noce à l'autre dans la même commune. C'est vrai en plus. Parce que dans cette commune-là, il y en a quatre. Mais en fait, ils font des prix. Il y a quatre noces dans la même commune. J'en ai fait deux sur les quatre parce que les deux autres sont bien plus loin quand même. J'ai fait les deux plus proches de chez moi. Attends, j'arrive. Et donc, quatre noces, deux dans la même commune et c'est le double du prix, quoi. Quelle honte. Bah non, mais n'importe quoi. En fait, je pense que chaque noce a son... C'est des franchises, je pense. C'est franchisé, oui. C'est une chaîne, c'est un groupe. Mais c'est franchisé, ils font les prix... C'est pas normal. Comme ils veulent, je pense. Oh, j'aurais dû retourner dans le premier et puis dire... Non, mais vous rigolez. Là-bas, je l'ai trouvé moins cher. Non, vous me le faites au même prix, donc. Je suis pas du genre à aller embêter les magasins, mais enfin, je me dis, c'est pas normal. Donc, quand je l'ai vu à ce prix-là, bah voilà, il a fini dans mon panier et puis on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, bah j'espère que vous avez passé c'est un fini. Bon moment avec plus, plus voilà. Ma sœur que moi, parce que moi j'ai passé plus mon temps à surveiller les, bah ouais. Les enfants, à me bête, à me piquer ma chaîne si ça continue. Donc voilà, et puis voilà, hein, on va arranger tout ça, je vais prendre un petit peu quand même. Hein. Je vais... Ouais, demain vous aurez un haul action, non? Sûrement. Ah. Sûrement, pas, oui. Pas grand chose. C'est plus quelque chose à vous montrer que je me suis dit, allez-y, courez. C'est ce cerf qui a trouvé. Voilà, ouais, c'est ce cerf. C'est ce cerf qui a trouvé. Et donc voilà, je vous ferai ça, je vous montrerai ce que j'ai trouvé, et puis comme ça, bah, vous pourrez aller filer dans vos actions aussi. C'est pas grand chose, mais au moins, je me dis, ça peut être pas mal. Voilà. Bon. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Pas cher. Bon, pas cher, c'est ça. Pas cher, j'achète. Allez-y, courez. Donc, elle va sur ce. Bon, allez, on arrête nos bêtises. Maintenant, on va aller s'occuper des enfants, faire un petit peu d'activité, leur donner des feuilles de papier, faire des collages, etc. Parce que là, ils s'impatientent. Hein. C'est normal. Faut les occuper. 22 minutes tout seul. Je pense que bon. Bah oui, c'est normal. Hein, c'est normal. Hein, il faut et les... encore, ça va. Ils n'ont pas été si. Sauf là. Bah oui, regardez. Enfin, non, j'ai regardé, mais il voit pas. Mais derrière la caméra, il y en a une. Ça va ? Le frère, il est calmé, il est dans le canapé parce qu'on l'a. Et puis il y a Margot qui s'impatiente aussi. Il y a Margot qui commence à chouiner. Des trois loups. Et puis il y a Elma qui. Allez, elle pète la forme là. Donc il y a bien sûr ce. Non, 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 on se montre pas la caméra, chérie. Oh, tout. Bon, et bien sur ce, les filles, on vous fait des gros bisous. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que ce petit haul noce de ma petite sœur vous a plu. En version vamp, hein, on va dire. Version... Ça va, on s'est pas trop embrouillé. Non, hein, ça va, on a c'était été gentils. Plus sur les enfants. On fera hors caméra. Oui. J'attends en attendant qu'il soit pas là, ou qu'il soit couché, ou qu'il soit en vacances, mais chez papy. Comme et demain, ça. Demain, ils sont chez papy. Ah bon? Mais non, demain, ils sont à l'école. Et moi, je reviens les deux. Bah oui, demain. Demain, on va bien faire les ventes. Ouais. Et bien sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt. Bye.